Holloway is sent to see onto the marché tout en criant no justice, no peace. Nang's Reborn. Wow, c'est extraordinaire. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nang's Reborn. Ici nous sommes en famille et on se soutient, c'est comme ça. Là, les choses vont très loin. Au point où les médecins, en fait, le corps médical a décidé aussi de se lever et marcher à l'honneur de George Floyd, décédé il y a quelques jours. Et cette marche est ici. Nous allons voir ce qui se passe, le rassemblement. De toutes les façons, c'est le mot d'ordre. No justice, no peace. Tant que Justine n'est pas rendue à George Floyd, il n'y aura pas de paix là-bas. Allons voir ça. Mes frères et sœurs, la vie qu'on a, c'est pas une habitude. C'est ce que je vous dis toujours, et c'est vrai. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, qui sera en vie ici? Merci Seigneur, parce que moi-même je suis en vie et que vous aussi vous êtes en vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en vie. Maintenant, soyez prêts. Regardez ça. Wow! Woo! Extraordinaire. Comme vous le voyez, c'est grave. Le corps médical a décidé de joindre tout le monde dans cette marche No Justice, No Peace pour George Floyd. Et regardez ce que ça donne. C'est un rassemblement hors du commun. Et des marches ont commencé. C'est ce que nous allons voir ici. Soyez prêts. Regardez maintenant ça. Comme vous voyez, ils sont ici en train de marcher tout en criant No justice, no peace. Quelle image hors du commun. Trop c'est trop. Enough is enough. Maintenant c'est No justice, no peace. Pas de justice, pas de paix. Tant que justice n'est pas rendue, il n'y aura pas de paix. Et comme vous le voyez, c'est exactement ça. Et c'est normal. Là, c'est la colère des gens qui se manifeste ainsi. C'est leur colère qui se manifeste ainsi. Regardez. C'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis, les frères. Aujourd'hui, les gens ont décidé de se réveiller. Et c'est le corps médical. Les infirmières, les médecins, en fait, les docteurs, toutes ces personnes sont là aujourd'hui. Wow. No justice, no peace. White courts for black lives. La cause est blanche et la noire, le problème noir. Comme vous êtes en train de le voir, c'est sérieux. Le monde, on a l'impression que le monde est en train de tourner à l'envers. Non, c'est pas que le monde tourne en envers. C'est sérieux cette affaire. C'est une affaire très sérieuse. Très sérieuse. Regardez encore. La marche continue. No justice, no peace. Comme vous le voyez, no justice, no peace. No justice, no peace. Le problème des noirs. C'est un problème très sérieux. Le racisme aussi est entré dans cette affaire. Et ils ont décidé d'éradiquer carrément cette fois toute forme de racisme. Toute forme de racisme. Blanc comme noir, tout le monde se joint à cette affaire. Il faut absolument le changement. Il faut que cela change. Et ce n'est que le début du commencement. Pour voir le changement dans une nation. Pour voir le changement dans un pays, il faut que tout le monde se lève. Il faut que tout le monde se lève. Même s'il faut marcher, nous allons le faire. Mais de façon pacifique. Mais aussi, il y a des débordements. C'est que c'est pour la bonne cause. C'est un truc hors du commun. Nous allons encore voir un autre rassemblement qui a lieu aussi aux États-Unis. Et c'est là où tout a commencé. Regardez, ce sont les docteurs, encore les médecins qui sont là. Et ils sont déjà
Voilà, se motiver, se donner des explications, expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais ça fait pitié, ça fait mal. Le policier a mis, lui, il a mis son genou sur le cou du chauffeur pendant plus de 8 minutes. On va dire 9 minutes, même quelques secondes. Comment un homme peut-il survivre après un tel problème, un tel truc? Comment c'est possible, même si c'est vous? Comment? Et même ces docteurs qui connaissent la valeur de la vie humaine, ces docteurs sont tellement dépassés par ça que eux aussi ils ont décidé de nous montrer que vraiment c'est une mauvaise affaire. Ce qui s'est passé est grave. Et ça ressemble à ça. Regardez. En 8 minutes et 46 secondes, un policier de Minneapolis il a mis son pied sur le cou de George Floyd et l'a tué par asphyxie. C'est ce qu'on est en train de dire. Et regardez le monde, regardez tous ces gens, tous ces gens. Regardez le nom. Vous abandonnez le travail pour finir. Parce que c'est grave. Vraiment nombreux. Que pensez-vous de ça? Un peu partout, les médecins, le corps médical maintenant se lèvent, ils ont décidé de se lever. C'est vraiment une chose triste. C'est vraiment grave. Mais regardez vous-même encore, regardez. No justice, no peace. C'est avec joie, avec fierté que les gens sont levés. Il faut que cela change. Il faut le changement. Il faut booster le changement. Il faut que ça s'arrête. Pendant plus de 8 minutes 46 secondes, ce policier avec son genou sur le cou de George Floyd, un noir américain, a poussé ainsi ce jeune homme à mourir. Il n'est mort pas assis. Tout le monde est fâché, les gens sont levés. Aujourd'hui, ce sont les docteurs, les médecins, le corps médical qui a décidé de soutenir sa famille. On a décidé de bouter aux États-Unis, comme Kanye West qui a décidé de soutenir la famille George Floyd. Et c'est ce qui est juste.
un truc hors du commun. Il faut que cela change. La police s'en fait. Vous veillez sur nous. Et nous, le contraire. La vie n'a pas de prix. On ne meurt pas deux fois, on meurt une seule fois. Que devons-nous faire? Nous devons tout mettre en œuvre pour vivre longtemps. Mais si nous devons mourir entre la main des policiers pour faire le monde, pour changer ça, nous avons décidé de mourir. Et c'est sur Yance Bonne, nous sommes déjà debout. Il y a plusieurs jours que nous travaillons sur cette affaire. Même nos vidéos précédentes en disent long sur le sujet. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et laissez vos j'aime si vous pensez que nous avons bien fait de faire cette vidéo. Un commentaire est très intéressant. Restez d'abord au commentaire et dites-moi ce qui se passe chez vous. Peut-être que chez vous aussi, des gens se sont levés. Comment ça se passe? Expliquez-moi tout dans la partie commentaire. Vous pouvez également partager cette vidéo pour sensibiliser les gens et amener les personnes à changer leur mentalité. Le racisme doit disparaître, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est parti.